Eventi dedicati ai musei etnografici italiani ed internazionali, ospiti di questa 12ª edizione del Festival Toccati, lasciando la parola ai rappresentanti del Museo Grenoble, presente presso il nostro forum con un'esposizione di giochi del 19 e 20 secolo e con un'animazione sulle realtà ludiche delle diverse regioni francesi. L'Association Les Amis du Musée du Jeu, associazione degli amici del Museo del Gioco di Grenoble, ha come missione il supporto e la trasmissione del patrimonio culturale ludico universale, creatore di legami e portatore di storia e di valori. In questo intervento verrà presentato il progetto Il Centro Vivente delle Arti Ludiche, che ha come obiettivo quello di creare un centro internazionale permanente delle arti ludiche che unisca l'esposizione alla pratica interattiva, aperto ad un vasto pubblico di tutte le età. Lasciamo quindi la parola a Jean-Marie Albert e Marie-Rosée Verduron. Oui, bonjour. Bonjour. Donc voilà, je suis permanente à l'association Les Amis du Musée des Jeux de Grenoble, en France. L'association a l'envie, très forte depuis longtemps, depuis 4 ans maintenant, de créer un centre des arts ludiques, centre vivant, puisque par le jeu, les gens pourront revivre des moments intenses et forts. Allora, sono gli amici del Museo di Grenoble che appunto ci vogliono presentare un po' il loro progetto di portare, diciamo, in mostra quelli che sono i giochi, le arti vive, ludiche, appunto, per fare rivivere alle persone queste cose. Et l'objectif du lieu est de créer à la fois une exposition et une animation de jeu, une pratique réelle de jeu. Au même endroit. L'obiettivo, diciamo, di questo luogo che loro hanno in progetto sarebbe quello appunto di riunire dei giochi, metterli insieme, appunto a volte creare e realizzare anche delle mostre. Notre objectif en venant ici, c'est de nous associer à d'autres porteurs de projets pour avoir une reconnaissance au niveau de l'Europe. Il nostro obiettivo venendo qua è proprio quello, diciamo, di poterci confrontare con altri soggetti che hanno un po' le nostre stesse passioni, appunto per poterci mettere in mostra anche a livello europeo. Donc pourquoi cet intérêt pour les jeux traditionnels, les jeux sportifs traditionnels, c'est que ils sont pour nous le reflet de nos cultures respectives. Ils sont une fenêtre ouverte sur le monde. Tout le monde s'en va. Et une Donc, ce centre, il a quatre intérêts majeurs, économiques, touristiques, culturels et sociaux, pour le territoire qu'il accueillera. Questo luogo appunto ha quattro differenti punti di interesse: l'interesse economico, turistico e culturale e sociale. Le lieu que l'on recherche sera d'environ 500 mètres carrés environ. On peut pas, ça va dépendre du lieu que nous trouverons aussi, avec une salle d'exposition permanente, une salle d'exposition temporaire, une salle polyvalente pour des conférences débats comme aujourd'hui. questo luogo, diciamo che sia. On va la réduire, la salle. Un atelier de restauration de jeux, un espace d'accueil, un espace de rangement, un bureau, bref, un espace jeune public aussi, puisque nous voulons nous diriger en direction des enfants, des scolaires, du public scolaire, c'est très important, pour un rôle pédagogique par le jeu. Évidemment, il y aurait aussi tout un aspect jeu forain en extérieur, en plein air, qui développerait d'autres formes de jeux que les jeux de taverne, de bar. Voilà. Et tout le monde comprend le français, là? Tout le monde comprend le français, c'est génial, donc je peux dire plus de choses encore. Là. Les moyens humains spécifiques pour tenir ce lieu, ça sera bien sûr un chef de projet, un directeur ou une directrice,
Ce sera un animateur, animatrice chargé de l'accueil, des visites guidées et de l'animation, un secrétaire, une secrétaire mi-temps, un responsable technique entretien des jeux et des locaux, et un responsable du nettoyage avec une réserve de personnel intérimaire pour essayer d'assurer toutes les activités qu'on a envie de programmer. Je peux rajouter un mot. Et qui sont ponctuelles. Donc ces activités, ce sont des rencontres interactives et conviviales autour du jeu, avec des animations libres ou guidées. Ce qu'on aime bien pratiquer à Grenoble, ce sont les tournois. Par exemple, vous avez vu là-bas les passe-trappes. Alors quand on a une série de 20 passe-trappes sur une même place, c'est génial, parce que ça crée une ambiance de fête et de folie. Ah, il parle italien, il y a des gens qui écoutent. Zut, il y a des gens qui écoutent. C'est les passe-trappes que vous avez dit. Les passe-trappes. 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 Bah, en italien, je ne sais pas comment ça se dit. C'est les jeux où on envoie des palets de l'autre côté. Les passe-trappes, il faut se débarrasser de ces palets le plus rapidement possible. C'est un jeu de rapidité. Ah, okay. On a 5 palets d'un côté, 5 palets de l'autre. Et celui qui n'en a plus... n'importe. L'idée, c'est un jeu rapide, 5 palets, très compréhensible. Pour nous, l'intérêt, c'est de faire toute l'accessibilité des jeux, que les gens soient en situation de compréhension et d'accessibilité. Par rapport à ce que dit Marie, pour compléter, c'est qu'on a une dialectique avec le tourisme en France. Un, les jeux ne sont pas reconnus comme le patrimoine, donc c'est plus délicat de pouvoir imposer une idée d'un lieu autour du jeu. Et deux, leur proposition par rapport à une ville, notamment sur le massif de la Chartreuse où nous étions, c'est de dire qu'il faut plusieurs activités économiques. Un lieu d'activité ludique ne suffit pas. Il faut peut-être aussi un autre musée, un autre type d'activité. Pour qu'une famille se déplace depuis 100 km, ce n'est pas comme un parc d'activités comme un center park ou un parc d'animation. C'est une activité pour une famille. Il doit y avoir plusieurs lieux différents pour qu'une journée entière, il puisse y passer une journée entière. Voilà. Il n'y a personne. Voilà. Tu as fait la photo ? J'ai fait la photo. Voilà. Donc on en était aux activités proposées. En plus de ces rencontres interactives autour du jeu, en plus des animations, il y a tout ce qui est autour des expositions. Bon, alors... guider pour que ce soit rendu un peu plus attractif, un peu plus vivant. Des réceptions événementielles avec des concerts, des soirées, même des contes pour enfants autour du jeu. Des conférences débats sur l'histoire du jeu, sur l'anthropologie dont on parlait tout à l'heure. Éventuellement aussi sur l'avenir du jeu, enfin la correspondance entre les jeux anciens et les jeux de maintenant, les jeux d'avant et les jeux de maintenant. Et faire un parallèle en fait entre la même famille, dans la même famille de jeux, faire un parallèle de ce qui existait avant en 1850 au niveau des billards par exemple et ce qui existe maintenant. Comment est-ce que ça a été transporté, transféré. Je vais traduire un peu parce qu'il y a... Pardon. Sì, praticamente questo progetto vorrebbe cercare di mettere a confronto quelli che sono dei giochi del passato e dei giochi anche del presente, metterli quindi a confronto tra di loro. N'oublions pas les entreprises aussi et les universités, les étudiants qui sont parfois très intéressés. La preuve en était hier à travers la rencontre d'une personne qui faisait un doctorat sur le jeu, sur l'histoire du jeu. Donc on peut s'adresser aussi à ce public-là. Très important pour nous. Ci si può indirizzare anche a un pubblico appunto di universitari, di dottorandi, che non è appunto un pubblico da sottovalutare, ma che comunque resta un pubblico importante. Les couvents, bien sûr. Les crèches aussi pour les tout petits. Nous avons pensé à tout. Le fonctionnement avec ces publics-là, bon, ben ça, on va peut-être passer parce que c'est pas très intéressant. Ce sont des détails très pratiques sur les journées, les demi-journées, les semaines, les week-ends. Bon, ça, on verra après peut-être quand ça sera créé. Si può saltare questa parte appunto perché sono cose molto dettagliate che.
che può essere che si, ci ritorniamo dopo. Ah oui, mais attends. Les jeux d'exposition, donc, qui sont pour l'instant. Voilà. L'exposition que nous détenons aujourd'hui à Grenoble est composée de 520 pièces de collection en tout, pas toujours en très bon état, mais que nous essayons de restaurer au fur et à mesure et de répertorier dans un catalogue. Et i giochi che possiedono sono giochi appunto che sono stati acquistati, cioè che sono stati appunto presi, cioè giochi molto anziani che sono stati presi ad esempio in giro per mercatini dell'usato e che si cerca dunque, essendo molto vecchi, di ristrutturare e metterli a nuovo, ecco. Donc cette exposition est destinée à être à se balader, se promener dans toutes les communes de notre département ou région, voire nation. Et elle s'appelle les Jeux de toujours à travers le monde. Pour ne pas reprendre le terme de jeu ancien. Parce que ce qu'on veut créer n'est pas un musée poussiéreux, mais c'est un centre vivant. Quindi praticamente lo scopo sarebbe di fare spostare questa associazione appunto mostrando i propri giochi che appunto si chiamerebbe il gioco di sempre attraverso il mondo e attraverso il mondo appunto per il fatto che questo gioco, cioè questa associazione si sposta, quindi non è proprio la creazione di un museo quanto appunto di un'associazione diciamo in movimento. Pour ajouter sur l'exposition qu'actuellement nous faisons une dizaine, 10 à 20 expositions par an, parfois accompagnées d'animations, parfois simplement sur l'exposition. Et il y a une autre idée sur une exposition qui nous a été proposée, c'est de réunir pour tous les musées, futurs ou existants, les jeux pour faire un musée sur Internet, pour qu'il y ait une ouverture sur Internet d'un musée international avec tous les jeux de collection. Allora, loro propongono a volte delle esposizioni, a volte proprio delle parti di animazione, quindi dove far provare i giochi. E c'è anche l'idea appunto di provare a creare diciamo, un museo virtuale su internet. Donc cette association travaille en partenariat avec la compagnie Les Festigeux, dont vous avez un petit aperçu dans le forum là à l'extérieur, sous les arcades. Et cette compagnie donc est dirigée par Jean-Marie Albert et ce sont des professionnels de la question puisqu'ils ont plus de 7000 interventions déjà à leur actif dans le monde entier, dans 93 départements et dans 13 pays. Voilà. Et elle possède 1800 jeux environ de cette sorte-là. Géant en bois et pour tous les âges. Il y a des espaces aussi. Enfin, des espaces. Oui, ce qu'on peut compléter, c'est qu'en dehors de la. Il y a des jeux qui fonctionnent très bien par rapport à un public. La difficulté, c'est toujours d'avoir les jeux les plus accessibles pour que les gens se retrouvent dans un plaisir, une émotion. C'est un peu la force de l'abstraction qu'on souhaite faire. Après, il y a des jeux de certains continents, de certains pays qui demanderont un peu plus de temps, un peu plus d'attention, qui seront peut-être en soirée. Si par exemple, on fait aujourd'hui que des jeux de Go, que des jeux asiatiques, il sera très difficile de pouvoir accéder à un succès auprès du public. Par contre, il y a des moments à favoriser. Et en dehors des jeux traditionnels, nous avons toute une série d'aménagements ou d'espaces ludiques pour les plus petits. Pour les moyens, des grands chevaux en bois, toute une thématique autour de l'eau, toute une thématique autour du chantier, une thématique autour des jeux de construction. On a comme ça près de 35 thématiques de jeux, en sus des jeux de bois. Alors, cette association lavora in partenariato con la compagnia dei Festigeux di Grenoble, che è spécialisée appunto nelle animazioni ludiche. Dal 1994 e molti sono i giochi diciamo tradizionali e insoliti che provengono da ogni parte del mondo. La compagnia può mettere a disposizione un centro di giochi tradizionali insoliti
per assicurare le animazioni di questo centro. E i giochi che propongono loro sono giochi a volte semplici, quindi accessibili ai bambini, con i quali ci si può divertire. Altre volte sono giochi un po' più complessi, un po' più difficili, appunto, quindi generalmente tendono a dividere questi giochi dai più semplici a quelli un po' più complessi. Bravo. Donc bien sûr notre travail ne peut pas s'effectuer tout seul, on a besoin d'être entouré, d'être soutenu. Et pour cela, on appartient à un réseau que vous connaissez bien, européen, l'Association européenne des jeux et sports traditionnels, l'AEJST, dont le président est présent là aujourd'hui, il s'appelle Guy Jaouen. Et donc c'est un grand soutien pour nous, car il nous transmet l'information de tout ce qui se passe dans l'Europe, au niveau des jeux traditionnels et de la création de musées. L'associazione, appunto gli amici del museo, lavora in partenariato con l'Associazione Europea dei Giochi di Sport Tradizionali, l'AGEST, che il cui presidente appunto è presente alla nostra manifestazione, e questo è molto importante appunto perché gli permette di restare in contatto con l'Europa intera e quindi di ricevere molte informazioni. On travaille en relation également avec l'association des ludothèques de France. Alors les ludothèques ne travaillent pas toujours de la même façon que nous, mais on a un point commun dans la mesure où on fait de l'animation autour des jeux aussi. Mais les ludothèques s'adressant plus précisément à un public d'enfants. Alors que nous adressons à tout le monde. Lavorano anche con l'associazione di ludoteca di Francia, non hanno sempre contatti con loro, però comunque. Appunto alcuni contatti, però si riferisce, cioè questa ludoteca di Francia si riferisce soprattutto, è diretta soprattutto ai bambini. On travaille en relation avec le musée des arts forains à Paris, avec la confédération bretonne, le FALSAV, avec le musée du jeu traditionnel d'Espagne à Campo, le musée du jeu à la tour de Bels en Suisse, avec qui nous avons établi aussi des relations pour connaître ce qui se faisait en termes de musée à l'extérieur de la France. Le centre des jeux et sports traditionnels en Occitanie, parce qu'en France, les jeux sont reconnus en Picardie et en Languedoc, Roussillon et bon, Occitanie, essentiellement. Par contre, le souci qu'on a à Grenoble, c'est que le jeu n'a pas de tradition historique pour l'instant encore. Mais nous allons la créer certainement très bientôt. Et l'associazione lavora anche in relazione con diversi musei, per esempio il museo di Parigi, delle arti di Parigi, la confederazione, le reti di tutti gli attori e giochi sport tradizionali, dipartimenti della Bretagna, il museo tradizionale a Campo in Spagna, il museo del gioco la Tour della Svizzera, il centro dei giochi sport tradizionali d'Occitania e anche la Ferme Galamé de Lon Plage. Donc actuellement, donc nous avons envoyé notre dossier de présentation de projet à plus de 200 communes en France. On a eu deux réponses et dont le dernier projet qui a failli aboutir, mais bon, qu'on a été obligé d'abandonner aujourd'hui. Du coup, nous repartons à zéro dans notre recherche de lieux de financement de partenaires. Sembrava avessero trovato un luogo inizialmente, però in realtà non è stato così, quindi adesso hanno dovuto ricominciare da zero e cercando appunto uno spazio, un luogo dove esercitare questa cosa. Voilà, donc on a envoyé les dossiers aux différentes communes qui pouvaient accueillir le projet et à différents partenaires financiers aussi, politiques, financiers et techniques, qui
qui sont très très nombreux et qui sont en fonction de la zone choisie. Juste ce qu'on peut rajouter, comme on le disait tout à l'heure, la difficulté, c'est que le jeu en tant que patrimoine n'est pas encore reconnu en France. Il y a une fête nationale du jeu, c'est déjà un premier pas, mais qui est plutôt une fête des ludothèques qu'une fête autour du patrimoine. Il n'y a pas de festival du style autocratique pour le temps en France. Il n'y a pas encore cette réelle reconnaissance, notamment par les affaires culturelles. Mais on y travaille et on ne désespère pas d'y arriver parce qu'on a d'autres objectifs, d'autres idées. Et même si on repart de zéro, je dirais plutôt qu'on repart de 1, 1,5. Allora, in Francia il tema in gioco è riconosciuto come patrimonio storico, però non è ancora stato realizzato un festival appunto a proposito di questo e si spera insomma di al più presto di poter riuscire ad avere una cosa un po' come può essere il nostro festival per appunto promuovere il gioco. Voilà, donc ce qui nous reste à vous dire, c'est qu'on a créé un site internet qui s'appelle www.aamj.fr. Ah oui, è stato creato anche un sito internet appunto, e che è www.aamj.fr. E c'est tout, è tutto. Merci. Grazie. Grazie. Ah, est-ce que vous voulez poser des questions? Ah. Et je te... Ah, vas-y. Silvia ci chiede in quanto tempo sarà possibile realizzare il progetto appunto di creare questo museo, quanto tempo secondo loro, i nostri ospiti, ci vorrà per creare un museo che è quello che loro hanno in mente appunto di fare. Allora, a partir du moment où on aura trouvé le lieu, les partenaires, les financements, il faudra, et ça va dépendre aussi de l'état de notre lieu. Si c'est des friches industrielles ou agricoles en délabrement, il faudra compter beaucoup de temps pour les travaux, beaucoup d'argent. Si on trouve quelque chose de tout de suite, en très bon état, qui est utilisable immédiatement, on peut compter, à partir de l'aménagement muséographique seul, on peut compter 2 ans, je pense, 2 ans, 2 ans de travaux et 2 ans de réalisation, à peu près. Allora, tutto dipende dal luogo che viene trovato, dallo stato in cui è messo il luogo, dai finanziamenti, ovviamente molto importanti, e si pensa circa 2 anni più o meno. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo! C'était bien débrouillé. Ringraziamo Jean-Marie Albert e Marie-Rosée Verdurin dell'Associazione Gli Amici del Museo del Gioco per l'intervento sul Centro Vivente delle Arti Ludiche.